Hey yo, salut à tous, c'est Okonae, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, dernière game et dernière du coup vidéo de la saison 10 sur League of Legends. Du coup voilà, petite dernière game. J'ai pas trop envie qu'il joue en vrai. Ok. Normalement j'aurais dû chercher le late game, mais j'ai pas envie de jouer le late game en fait, j'ai envie de mettre un petit trou. J'avais le lifesteal. Ok, détruire la tour maintenant m'aide pas vraiment. Hein. Ça m'aide vraiment pas parce que je vais être beaucoup plus en. Je décale pas en fait. Si j'étais un champion qui décalait, why not? Mais pour le coup, ça m'arrange pas. J'ai pas trop envie de commenter la game. En fait, ça va bien résumer ma dernière game de LoL en saison 10. En gros, c'est méta abuseur. Tu vois tout le temps les mêmes champions. Il n'y a jamais un mec qui a sorti un truc qui était off méta et qui a carré une game. C'est beaucoup trop rare et c'est beaucoup trop triste. Énormément de toxicité. Genre vraiment, c'est très, très à l'heure toxique. On va se souvenir aussi des comptes achetés. Énormément de comptes achetés. Et c'est ça, pas très intéressant. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous aimez bien le jeu. J'ai pas trop envie de parler en fait. Y a pas grand chose à dire de cette saison 10. Puis évidemment, la toxicité. Tous leurs champions sont OP dans la méta actuellement en fait. Quel rôle pour un Venef, etc. Y'a pas Evelynn qui arrive sur le wave, ouais. Voilà. Ça me termine. Oh, putain, la vache, les dégâts, mon gars. Ouais, Ezreal, c'est pas dégueu. Ce qui est bah, un des meilleurs top laners pour stomp une lane. Tu joues Darius parce que justement tu soignes qui int un petit peu. J'en ai aussi, fuck. T'es pas si rentable. Le Jin a bien joué là. Ouais. Ah, ça joue bien. Hein. Ça joue bien, ça joue bien. On est en solo Q Smurf en passant pour ceux qui regardent la vidéo un petit peu plus dans longtemps et qui se demandent ce qui se passe. Et donc là, en fait, on est genre Gold 4. Mais on n'a même pas un MMR Diamant 4 comme avant. On est vraiment genre MMR Gold 4. En fait, c'est. Mais t'es dans. C'est un Gold 4 Smurf en fait, c'est trop bizarre.
laser il est vraiment chiant. Le heal de Vayne était cool par contre, merci. Nice. Ah putain, dommage. Bon, eux a pas touché en fait. Belle ward. Ça joue bien. En vrai, le niveau très bon. Hein. Le niveau très bon des joueurs qui abusent pas de champions complètement OP. Là, j'ai vu complètement le Kassadin qui s'est fait outplay. La Vayne qui joue très bien. C'est une des rares Vayne en vrai que je vois autant bien jouer. Avec un W de très loin. Oh, les dégâts du Ezreal, c'est vraiment pas légitime. Hein. Incroyable les dégâts du Ezreal en vrai. W qui passe. Bien joué. Dommage. Ah, j'ai pas récupéré mon truc. Elle est où? J'ai gagné du temps. Ah ouais, je suis devant les minions et juste ses attaques me défont. Oh là là là. J'arrive même pas à régénérer. Ah oui, d'accord, il a aussi le anti-heal. Je voulais juste les faire chier pour qu'elle ait peut-être cette tour. Là, ça commence à être chaud. C'est de la roncade hein, pour ceux qui se demandaient. Est-ce qu'elle va faire le blue buff? Je pense que oui. Et il allait s'avancer, non? Merde, miache. Ils veulent tous ses FF. Ils veulent push mid, on va prendre deux inhibs. Okay. Ils sont peut-être en train de faire le baron. Je push un peu plus. Et ils ont eu Darius. On aura peut-être le dragon. Si on a le dragon, on est bien en vrai. Nice. Ça n'a aucun sens. La game n'a aucun sens. Définition de la saison 10. De la chiasse ambulante. Que j'ai mis. Mais Ezreal est le tank, putain, vous comprenez cette merde? J'ai l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique, mais avec 9 patients en phase terminale, le niveau sur l'échelle du psychopathe le plus élevé en fait.